Nous savons que les données jouent un rôle important, mais comment en tirer parti pour atteindre les objectifs de l'ouverture de votre commande publique? L'Open Contracting Partnership vous aide à approfondir le sujet à chaque étape du processus. Cette vidéo explique comment définir un cas d'usage pertinent afin d'exploiter vos données ouvertes pour transformer la passation des marchés publics. Les cas d'usage vous aident à repérer, clarifier et organiser vos données relatives à la passation de marchés publics. En collaborant avec des habitués des marchés publics du monde entier, nous avons repéré 5 grands cas d'usage illustrant cela. Créer des opportunités pour les entreprises, optimiser le rapport qualité-prix de la commande publique, améliorer la transparence afin de détecter la corruption et de renforcer l'intégrité de la commande publique, améliorer la qualité des biens et services publics, améliorer l'efficacité interne. La première étape consiste à définir vos objectifs, vos besoins et les objectifs de vos réformes par rapport à un cas d'usage particulier. Supposez que votre organisation souhaite que davantage d'entreprises participent au processus d'appel d'offres, cet objectif peut être votre cas d'usage. La deuxième étape consiste à repérer les parties prenantes essentielles qui pourraient bénéficier de ce cas d'usage, par exemple les entreprises qui veulent être informées des appels d'offres à venir ou les gouvernements souhaitant connaître les résultats que ces entreprises ont obtenus par le passé. Ensuite, vous devez compiler, définir et recenser vos principaux indicateurs et déterminer les champs de données essentiels dont vous avez besoin pour suivre et évaluer la réalisation de vos objectifs. Par exemple, afin d'analyser le niveau de concurrence sur vos offres, vous devez connaître la méthode de passation de marché et le nombre de soumissionnaires. Enfin, évaluez les indicateurs à partir de la liste des champs retenus. Vous obtiendrez ainsi des références chiffrables qui vous aideront à vérifier que votre réforme produit des effets positifs. La définition de cas d'usage au début du processus d'ouverture de votre commande publique vous aidera à prendre de meilleures décisions et à mettre en œuvre des réformes efficaces et durables. Pour en savoir plus sur l'utilisation des données relatives à la commande publique ouverte, rendez-vous sur open-contracting.org.